avant de débuter cette conférence, je voulais juste vous préciser que Mme Boyer-Bévière, qui devait présenter la conférence et les intervenants, a eu un souci de santé, qu'elle n'a pas pu le faire, donc je prends le relais. Donc c'est moi qui présenterai la conférence de ce soir, mais elle pourra néanmoins intervenir, comme d'habitude, au cours de la conférence et à sa fin pour les questions. Et je la remercie beaucoup d'être présente ce soir. Nous organisons, comme vous le savez, depuis très longtemps des conférences, toutes les deux, à la Cour de cassation. Ça fait plus de 6 ans, j'ai regardé, et voilà, je m'en réjouis. Alors, nous nous retrouvons ce soir pour introduire un nouveau cycle biennuel de conférences. Il s'agit d'un cycle de réflexion sur l'incidence des progrès incessants du numérique sur le devenir des professions du droit. Au cours de l'année 2024, seront abordées les professions de recherche et d'enseignement, les professions juridiques au sein des entreprises et les professions réglementées. En 2025, les conférences seront plus spécifiquement consacrées à l'institution judiciaire, à son organisation, à ses professionnels et à son évolution. L'open data judiciaire est devenu, sous l'égide de la Cour de cassation, une réalité, puisqu'aujourd'hui sont accessibles non seulement les décisions civiles, commerciales et sociables de l'ensemble des cours d'appel, mais encore les décisions civiles récentes de 9 tribunaux judiciaires. Bobigny, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Versailles. Cette mise à disposition d'une masse croissante d'informations que représentent ces décisions ont un impact en termes d'analyse et de gestion des données via des logiciels d'intelligence artificielle qui les transforment en données exploitables, permettant par exemple de connaître les tendances des décisions de telle juridiction, voire de tel magistrat, et donc de présumer de la jurisprudence à venir, donnant ainsi corps à la justice prédictive. Mais au-delà, cette production judiciaire, associée à l'importance des données juridiques déjà accessibles en termes de jurisprudence, de doctrine ou de texte, permet d'envisager, via des outils tels que ChatGPT ou ceux plus spécifiques développés par des sociétés dédiées ou des éditeurs juridiques, que l'ordinateur ne soit plus simplement un instrument de rédaction à disposition du juriste, mais devienne lui-même le rédacteur. Qu'en est-il alors du devenir des professions juridiques face au développement de l'intelligence artificielle? Dans le monde, 40% des emplois seront touchés. Et plus vous occupez un emploi qualifié, plus ce sera le cas. Ainsi, pour les économies avancées et certains pays émergents, 60% des emplois seront concernés, a déclaré la semaine dernière Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, faisant ainsi écho aux nombreuses études sur l'intelligence artificielle et notamment celle de l'Organisation internationale du travail des Nations unies en date du 21 août 2023, qui considère que l'intelligence artificielle pourrait créer plus d'emplois qu'elle n'en détruirait. Les questions posées par ces nouveaux outils ont d'ailleurs été abordées par les hauts magistrats dans leurs discours prononcés lors des audiences solennelles de rentrée de ce mois de janvier. Ainsi, M. Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation, a souligné, je cite, que « certes, la mission du juge ne peut être confiée à l'intelligence artificielle, mais cette dernière, comme de manière générale les instruments numériques, peuvent lui être d'une aide précieuse ». De même, M. Rémy Hetz, procureur général près la Cour de cassation, posait la question suivante. Quelle place va prendre demain l'intelligence artificielle dans la façon dont nous allons, nous, tous, cours et tribunaux, rendre nos décisions? Et demain, c'est déjà aujourd'hui, car si l'institution judiciaire s'interroge et ouvre des pistes de réflexion, certains cabinets d'avocats utilisent déjà l'intelligence artificielle pour rédiger des documents juridiques, permettant ainsi de rationaliser leurs pratiques, d'améliorer leur efficacité et de réduire leurs coûts de fonctionnement en limitant leur personnel. Mais ils sont également concurrencés par des applications qui offrent, au moyen de l'intelligence artificielle, des consultations juridiques en ligne à moindre coût. C'est alors la formation des juristes et les pratiques professionnelles, voire l'organisation des institutions, qu'il faut repenser afin de continuer à garantir la fiabilité des données juridiques et de leur traitement par un contrôle rigoureux, par l'humain de la production de la machine. Ce contrôle doit intervenir en amont par la maîtrise des données analysées et de leur confidentialité et en aval par la vérification des documents produits. Par ailleurs, si l'écrit est ainsi bouleversé, qu'en est-il de l'image? Est-il encore nécessaire de multiplier les déplacements des justiciables et les extractions des détenus, chronophages et coûteuses tant en termes budgétaires qu'au niveau écologique? À l'heure du télétravail, ne peut-on voir se développer les audiences par visioconférence? C'est à l'ensemble de ces questions, et à bien d'autres encore, qu'est consacré ce nouveau cycle
co-organisée par l'Université Paris 8 et par la Cour de cassation, dont je remercie non seulement le premier président, M. Christophe Soulard, mais encore les équipes qui l'entourent et qui œuvrent à la réussite de ces conférences, que sont le service des colloques dirigé par Mme Nathalie Jalut et le service de communication sous l'égide de M. Guillaume Fradin. À tous, merci de votre implication dans l'organisation de ces conférences. Merci également à tous les intervenants, enseignants et professionnels qui acceptent de venir partager leur savoir à travers des interventions toujours riches et pertinentes. Tel est le cas des trois sachants de ce soir, de cet après-midi, parce qu'à force, on est plutôt l'après-midi que le soir, qui vont partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs analyses sur l'incidence des développements du numérique sur les évolutions du droit et de ses professions. Monsieur François Saint-Bonnet, professeur d'histoire du droit et également professeur du numérique à l'Université Paris 2, spécialiste des questions de sécurité et de liberté, analysera l'incidence sur le fond du droit et sur les professions judiciaires et de recherche juridique de la manière de faire du droit à l'époque de l'oralité, puis à celle de l'écrit papier, et enfin celle du numérique et des moteurs de recherche. Monsieur Vivien David, magistrat, président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et de la Conférence nationale du droit, partagera son expérience du terrain et ouvrira des pistes de réflexion. Enfin, Madame Nathalie Frisero, professeure de droit privé et de sciences criminelles à l'Université Nice-Côte d'Azur, membre du Conseil national de la médiation, doyenne du pôle justice civile à l'École nationale de la magistrature et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, clôturera la conférence d'aujourd'hui par une analyse prospective sur la place de l'intelligence artificielle au sein du monde du travail et les évolutions du droit qui y sont associées. Le Conseil de l'Europe vient d'ailleurs de publier une nouvelle version de son projet Convention internationale sur l'intelligence artificielle, afin de garantir que son développement demeure compatible avec le respect des droits de l'homme, le fonctionnement de la démocratie et le respect de l'état de droit. Le débat est ainsi ouvert et c'est afin d'en comprendre les enjeux pour permettre aux juristes de rester maîtres de leur destin que nous remercions les intervenants de ce soir d'avoir accepté de partager leur expertise. Monsieur François Saint-Bonnet, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais adresser mes remerciements donc, à Madame Bénédicte Boyer-Bévière de m'avoir sollicité pour prendre la parole aujourd'hui, ainsi que vous, Madame Dorothée Diby, pour votre mot d'accueil. Je voudrais commencer cette présentation avec la présentation d'un objet qui a fait l'objet de la curiosité de ma voisine, qui est un petit ouvrage, vous voyez, d'une taille assez modeste, de 1828, qui s'intitule « Les six codes ». Voilà, si ça vous amuse. Voilà, qui comprend donc le code civil, le code de procédure civile, le code de commerce, le code d'instruction criminelle, le code pénal, le code forestier, avec un appendice qui comprend quelques lois intéressantes, et puis une table des matières. C'est du papier bible, il y a à peu près 1000 pages. Et puis je vais vous présenter un autre objet qui vous est peut-être un peu plus familier, c'est ceci. Voilà, ceci est un outil qui permet d'accéder à Légifrance, à LexisNexis 360 et à Dalloz. Alors, quelques points communs entre ces deux objets. Il faut d'assez bons yeux pour les consulter. C'est vraiment écrit tout petit. Hein. Si vous amusez, je vous passerai après. Écrit tout petit. En fait, il y a une assez grande convergence hein, dans les supports. C'est à peu près la même taille. À peu près la même méthode de recherche. Il y a une table des matières, hein, donc des mots-clés. Il y a en revanche une très très grande différence de volume du corpus. Il y a une grande différence également dans le type de source. Hein, ceux-ci sont pratiquement que des sources légales. Il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de droit européen, il n'y a pas... voilà. Différence également dans le rapport à l'espace. Hein, c'est un code qui ne concerne évidemment que la France et avec des dispositions uniquement de nature hexagonale. Et puis, il y a aussi une sorte d'horizontalité hein, dans les normes. Ce sont toutes des lois, alors que la complexité, évidemment, de la hiérarchie des normes aujourd'hui n'est pas
à démontrer. Alors, tout de même, il y a une ordonnance sur la profession d'avocat et des plaidoiries, donc une norme de rang inférieur, et puis il y a deux tarifs de frais et dépens en matière civile et en matière criminelle. Ces différences sont importantes, mais je voudrais m'intéresser moins au corps qu'au corpus, qu'au moyen d'accès à ce corpus, c'est-à-dire à la technique, à la technologie dans son rapport à la manière de faire du droit. Et je vais, comme l'annonçait la présidente, vous présenter quelques petites caractéristiques de trois âges en prenant un spectre volontairement long sur le plan temporel. L'âge de l'oralité et des textes manuscrits. Ceci a cette importance. Donc on va parler un petit peu de la fin de la féodalité et jusqu'au XVIe siècle. On va avoir aussi l'âge de l'écrit imprimé, qui va nous occuper voilà, des rédactions de coutumes au XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, et puis quelques observations sur l'âge du numérique. Alors, sur le premier âge, une première observation sur les juristes, et ce que font les juristes, c'est qu'il faut qu'ils aient une mémoire incroyable. Un juriste du Moyen-Âge, c'est quelqu'un qui sait tout par cœur, et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, au Moyen-Âge, le droit est très souvent formulé sous la forme d'adages, de maximes, hein, qui sont faciles à retenir. Et parfois, ces maximes, il y aura plusieurs auteurs qui vont se lancer dans cette activité, vont les versifier, hein, et vont même sous la forme d'alexandrin, parce que l'alexandrin est plus facile à retenir. Voilà. Quel est le mécanisme de la preuve par possession d'État du mariage? Eh bien, vivre, manger, coucher ensemble, c'est mariage, ce me semble. Voilà, c'est très élégant. Et c'est un mécanisme d'apprentissage du droit. Deuxième observation, une attention très différente portée aux cas généraux et fréquents et aux cas rares. Pour les cas généraux, au Moyen-Âge, les coutumes sont dites notoires, hein, c'est-à-dire que tout le monde connaît la règle, aussi bien le justiciable que le juriste, évidemment, et cette règle n'a pas à être prouvée. Parce que, dans les différentes coutumes, hein, je prends l'exemple du partage successoral, qui est très différent d'une région à l'autre, soit vraiment un partage égalitaire, quelquefois un système de droit d'aînesse, quelquefois un système de choix, vous avez toutes sortes de choses différentes, et tout ça est parfaitement connu, hein, parce que ce sont des usages ancestraux, et puis que dès qu'il est question d'argent, la mémoire se fixe assez précisément, et en matière de succession, la chose est bien connue. En revanche, pour les cas un peu plus rares, eh bien, l'établissement du droit résulte de deux séquences. Première séquence, qui est l'établissement de la règle, qui résulte d'une enquête, hein, ce qu'on appelle une enquête par turbe. Hein, une turbe, c'est un groupe en général une vingtaine de prudes hommes, hein, c'est-à-dire des gens dignes de confiance et des gens qui ont une certaine crédibilité et qui vont se réunir et qui vont essayer de voir ce qu'est la règle applicable dans le cas précis. Et puis, seconde séquence du procès, eh bien, une fois que l'on a établi la norme, on juge le cas d'espèce. Alors, évidemment, beaucoup d'inconvénients à cette manière de faire. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Ça produit évidemment une très grande insécurité juridique, et cela explique la mise par écrit des coutumes à partir du XIIIe siècle. Alors d'abord des rédactions privées de coutumes. Alors ce qu'on appelle des rédactions privées, c'est pas tout à fait exact. En réalité, la plupart du temps, ce sont des rédactions qui sont faites par des gens qui sont de l'entourage du roi. Hein, souvent, ce sont des baillis, c'est-à-dire des gens qui occupent une fonction officielle.
Et les coutumes, hein, qui la plupart du temps sont rédigées, sont assez proches du domaine royal, hein, ou dans le domaine royal, de sorte qu'il y a une sorte d'enjeu politique. Hein. Les coutumes sont un petit peu téléguidées. L'exemple le plus célèbre que tout le monde a étudié en première année de droit, en histoire du droit, c'est la coutume de Clermont-en-Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir. Et dans laquelle, c'est très intéressant, hein, Philippe de Manoir ne se contente pas de en quelque sorte de rédiger à droit constant, hein, il introduit un certain nombre d'éléments tirés du droit romain et qui sont au profit de la du pouvoir royal et de la gloire royale. Tous ces juristes ont donc beaucoup de mémoire. Ils ont un nombre de règles précises qui n'est pas infini, et ce sont des juristes qui ont très volontiers recours aux principes, qui vont avoir recours en particulier au principe d'équité, c'est-à-dire, pour faire court, l'arbitraire du juge au sens non péjoratif du mot arbitraire. Et donc, il faut donc solidifier le plus possible le corpus un peu épars de ces principes par une réflexion. Et c'est toute la place qui va être donnée au droit savant, hein, au pluriel, à savoir le droit romain et le droit canonique, hein, qui, contrairement aux coutumes et qui, un peu plus tard, contrairement à la législation royale, eh bien, font l'objet d'études dans les universités, c'est-à-dire d'études pour eux-mêmes. Hein. On va considérer que le droit romain et le droit canonique sont des droits parfaits. On parle de ratio scripta, et qui est une source d'inspiration. Et au fond, ce que font les juristes, hein, la doctrine juridique, les intellectuels du droit, pour faire court, eh bien, ils se calquent sur le travail des théologiens, hein, c'est-à-dire ils font de la glose, hein, de même qu'un théologien va analyser dans la marge la manière dont les écritures saintes lui parle au moment où il réfléchit sur le sens de ses écritures, eh bien, le romaniste va réfléchir à la manière dont des règles conçues pour un contexte sociopolitique très différent lui parlent dans le contexte médiéval. Donc, quelques très brèves observations pour terminer cette partie sur le Moyen-Âge. D'abord, des juristes qui ont recours très volontiers aux principes, et des principes qui tiennent lieu de normes, soit de rang supérieur, soit de normes en cas de lacune de la règle précise. Deuxième observation, un pouvoir d'interprétation très vaste, très, très assuré, et un pouvoir d'interprétation qui va pratiquement jusqu'à un pouvoir qu'on appellerait aujourd'hui un pouvoir d'édiction des normes. Au fond, du point de vue du droit moderne, qu'est-ce que c'est qu'une enquête par turbe ? Ça consiste à légiférer, ni plus ni moins, avec des gens qui ont cette compétence, mais ça consiste à légiférer. Et puis, des juristes qui font un effort très important de réflexion sur le cas. Une méthode assez largement casuistique, dans laquelle on prend en considération, évidemment, la règle de droit en présence, mais pas seulement. On a recours à l'équité, et puis on prend, évidemment, fortement en considération le contexte. Ce souci du cas est peut-être une des choses qui va nous interroger quand on s'interrogera sur la manière de rendre la justice avec des intelligences artificielles, où on voit peut-être que la justice est beaucoup plus du côté de la norme que du côté de la reddition de la justice aux justiciables.
Le deuxième temps dont je voudrais parler très, très rapidement, c'est l'âge du droit écrit. D'abord, à partir du XVIe siècle, il y a absolument une révolution qui va être une révolution théologique, évidemment, hein, la réforme, mais aussi une révolution juridique, qui est l'imprimerie, hein, c'est-à-dire la possibilité eh bien de dupliquer de manière tout à fait exponentielle les ouvrages. Et c'est le moment qui est choisi pour mettre par écrit l'ensemble des coutumes du royaume. Très grande diversité de coutumes, on va avoir deux vagues de rédaction des coutumes. Je n'entre pas dans le détail, mais simplement un point est très important, c'est qu'une fois qu'on met une coutume par écrit, elle cesse au sens juridique d'être une coutume, en ce sens que son autorité ne résulte pas de la force du précédent et de l'opinio iuris, mais sa force juridique résulte eh bien, du sceau royal. Elle devient en réalité une loi et soudain elle se fige. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment, eh bien, dans ce même XVIe siècle, eh bien, en quelques décennies, hein, il a fallu créer de nouvelles coutumes parce que les premières coutumes étaient jugées archaïques. Et l'idée même d'une coutume archaïque, soit c'est un oxymore, soit c'est un pléonasme, mais ça ne peut pas aller ensemble. En tout cas, c'est une révolution dans l'accès au droit, parce que désormais, eh bien, le droit n'est pas seulement réservé à l'élite de ceux qui savent tout par cœur et qui sont des praticiens du droit. Hein. Le droit devient quelque chose qui est plus largement accessible pour les lettrés. Le droit aussi fait l'objet de comparaisons. Hein. On va avoir un souci pour des juristes, eh bien, de comparer les solutions coutumières entre elles et essayer de favoriser ce qu'est la meilleure des coutumes, hein, ce qui va conduire à faire apparaître la notion de droit commun coutumier, hein, avec cette idée très gallicane, hein, enfin, du gallicanisme juridique, l'idée selon laquelle, au fond, il y a quelque chose de commun à tous les Français et que ce qui rapproche les coutumes est beaucoup plus important que ce qui les différencie et qu'il y a moyen, hein, de faire une synthèse de toutes ces coutumes, ce qui préfigure évidemment le travail de codification. Troisième observation sur l'évolution de ce droit en fonction de cette nouvelle technique, c'est un déplacement du pouvoir du juge vers le législateur et une réduction de son pouvoir d'interprétation. À partir du moment où le droit est posé par écrit, eh bien, il est beaucoup plus largement opposable, et puis les justiciables, eh bien, attendent que la loi soit appliquée. Et donc, on va avoir un pouvoir d'interprétation du juge qui est réduit et qui est d'ailleurs tout à fait concomitant avec l'affirmation du pouvoir normatif royal et en particulier l'insistance du roi, notamment au XVIIe siècle, à interdire aux juges d'interpréter la loi et même invitant le juge, lorsque la loi est insuffisante, obscure ou incertaine, eh bien, à se tourner vers le Conseil du roi, hein, comme un peu plus tard pour le référé législatif, quand il faudra au moment de la Révolution se tourner vers l'Assemblée, chose que les gens, les juristes se prendront un grand soin de ne pas faire. Alors, quelques mots de la codification. C'est évidemment prolongement, hein, de cette idée de subordination à la loi écrite, mais il y a aussi quelque chose de tout à fait nouveau, et c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai apporté cet objet. C'est une aspiration des juristes à embrasser tout le droit. C'est l'idée que l'on peut
avoir un corps de règles relativement limité en nombre, raisonnablement simple, convenablement écrite, et qui va se montrer tel que, de manière exhaustive, eh bien, le droit peut être aperçu par les juristes. Hein, donc on n'a pas du tout de distinction, ou très peu, entre les publicistes, les privatistes, et encore moins les historiens du droit. On est juriste ou on n'est pas juriste, et être juriste, c'est d'abord savoir ça. Voilà. Les choses évolueront dans la seconde moitié du 19e siècle, mais au moment de la Révolution et dans le premier 19e siècle, c'est cela qui gouverne la logique. Alors évidemment, dans ces conditions, eh bien, le droit coutumier ou la coutume de manière générale décline en tant que source de droit. Elle devient une source de droit secondaire, même si dans la réalité, qui est une réalité relativement peu unifiée au XIXe siècle, la coutume locale se porte très très bien. Et on voit aussi, d'ailleurs, dans le jeu entre la Cour de cassation et les cours royales, que certaines cours royales opposent une résistance assez véhémente, hein, contre les décisions, en tout cas les arrêts de la Cour de cassation avant renvoi. De moins en moins de recours aux principes. Hein, on va s'attacher davantage au texte de la loi. Et pour autant, on va avoir un juge, contrairement à une légende assez fortement ancrée, on va avoir un juge qui, s'il est très subordonné au plan organique, en particulier du fait du serment de fidélité au régime politique en place, eh bien, un juge qui est fonctionnellement souvent extrêmement hardi et extrêmement indépendant. Je vous donne quelques exemples, hein, de hardiesse dissimulée, ou pas tant que ça dissimulée, de la part de la Cour de cassation, par exemple. La jurisprudence dit de l'abrogation implicite, où la Cour de cassation, voilà, estime que telle norme qui n'a jamais été abrogée, eh bien, a été implicitement abrogée. Par exemple, hein, une norme qui concerne l'interdiction de l'habit religieux dans l'espace public qui a été adoptée au moment de la Convention. Une fois qu'on se retrouve, eh bien, sous la restauration ou la religion catholique redevient la religion de premier plan, eh bien, la Cour de cassation considère que c'est implicitement abrogé parce que ça n'est plus possible. Ou également une technique qui est très fréquemment utilisée et finement distillée, hein, qui consiste à utiliser un concept juridique au sens de la loi 2 et en le réinterprétant complètement dans un sens différent de ce qu'a voulu le législateur. Donc désormais, les juristes n'ont plus tant que cela besoin d'une mémoire d'éléphant, hein, d'une mémorisation exceptionnelle. Ils peuvent accéder à des solutions par des recherches très rapides dans le texte, un texte de volume limité, et également dans la jurisprudence. On conserve quelque chose qui nous paraît absolument délirant aujourd'hui, qui est l'aspiration et même peut-être la possibilité de connaître tout le droit. En tout cas, d'avoir un savoir juridique encyclopédique. Il y a peu de spécialisation, ou en tout cas la spécialisation à laquelle on assiste, eh bien, n'empêche pas d'avoir une connaissance quand même en réalité assez solide des matières dont on n'est pas le spécialiste. Quand on voit par exemple, c'est ce que montre très bien Benoît Plessis dans sa thèse sur la naissance du droit administratif, eh bien, quand on voit que en fait, les administrativistes sont des civilistes très affûtés, hein, mais qui en permanence vont essayer d'utiliser, hein, un critère d'exorbitance pour se positionner par rapport au droit civil, mais le droit civil n'est pas du tout quelque chose, droit administratif, pardon, n'est pas du tout ex nihilo.
Moins de mémorisation grâce à l'accès au texte, mais toujours un niveau de réflexion, un niveau doctrinal tout à fait impressionnant. Et quand je lis de la doctrine du XIXe siècle, je suis toujours très, très impressionné par ce savoir encyclopédique, par la hauteur de vue des juristes de cette époque, et par au fond une très grande liberté de ton et de liberté d'analyse juridique qui me semble ne plus être le cas aujourd'hui. Malgré tout, imprimer des livres, acheter des livres reste cher, et on conserve assez largement le goût d'une langue qui ne tiendra pas trop de place. Et donc on a une langue juridique qui est très minimaliste, qui est très élégante, qui est très épurée et effectivement qui ne souffre pas du tout la comparaison avec la langue, la légistique d'aujourd'hui, qui est parfois un petit peu bavarde, un petit peu boursouflée et pas forcément d'une élégance rare. Quelques observations à présent sur le temps et l'âge du numérique. Je voudrais commencer par évoquer des choses qui sont des invitations à l'école de droit de Paris 2. Donc l'école de droit, hein, c'est après le collège de droit, ceux qui font un M1 et un M2. Il y a des cours hein, qui portent sur la manière de faire de la recherche juridique. Et ce qui est recommandé aux étudiants, qui sont des étudiants de très très grande qualité, eh bien, c'est de résister à la tentation d'utiliser des moteurs de recherche et d'essayer de taper des mots-clés, des assemblages de mots-clés, et d'essayer de faire sortir de la jurisprudence difficile à analyser. Ce qui est vraiment recommandé pour être un bon juriste, pour être un juriste capable de hauteur de vue et de discernement, eh bien, c'est de se tourner vers les manuels. Un manuel, deux manuels, trois manuels en fonction des disciplines. Et puis, dans ces manuels où on a des dizaines d'années de réflexion reprises par les auteurs, eh bien, on va avoir une capacité à aller des principes jusqu'aux règles, à aller de l'intelligence générale jusqu'au cas. Et pour le dire avec des mots peut-être un peu plus direct, de réfléchir en ingénieur et non en contremaître, comme celui qui conçoit la machine et pas celui qui applique bêtement les choses. Parce que la tentation peut être évidemment très grande pour gagner du temps de se précipiter en effet sur un moteur de recherche et de faire apparaître un chapelet de jurisprudence qui traiteront le même article, qui vont traiter le même domaine. Et on arrive ici, dans cette utilisation du moteur de recherche, à une logique en fait un peu mimétique. Or, je propose la solution qui est celle qui a déjà été proposée, sans y réfléchir particulièrement. C'est vraiment du copier-coller judiciaire. Or, cette logique mimétique est exactement celle que mettent en œuvre les intelligences artificielles et qui se fondent hein, sur des recherches automatiques de précédents. C'est-à-dire, je m'empresse de dire que l'intelligence artificielle n'a d'intelligence que le nom, assurément elle est bien artificielle, mais je voudrais rappeler une chose, c'est que intelligence vient de l'anglais, que c'est un faux ami, il n'y a aucune intelligence dans intelligence, hein. Intelligence ça signifie le renseignement. Un intelligence service, c'est un service de renseignement, c'est collecter des données, mais ça ne veut pas dire, au sens français, l'intelligence, c'est-à-dire une capacité à élaborer, en mettant en relation des concepts, et pas seulement des mots-clés, des concepts les uns avec les autres, élaborer et enrichir le ciel de nos idées. Et au fond, quand un juriste contemporain se contente de mots-clés
pour sa réflexion juridique et pour construire son mémoire ou son rapport. En réalité, il fait exactement la même chose, mais en moins bien, que ce que fait la machine. Il n'est pas exclu qu'il faille, compte tenu du développement de ces machines, et bien notamment que nous, formateurs de juristes à l'université, et bien nous invitions nos étudiants à se montrer intelligents, mais pas au sens de l'intelligence artificielle qui n'en est pas une, celle d'une compréhension profonde du cas qui lui est soumis. Et cela suppose sans doute une compréhension savante de l'architecture de sa discipline, et de sa discipline au sens large, pas seulement sa discipline spéciale, je sais pas, droit civil des biens, mais du droit civil. Voilà. Un peu comme les juristes de la fin du Moyen-Âge avaient besoin du droit savant pour guider leurs solutions au milieu d'une myriade de coutumes incertaines et contradictoires. L'autre évolution sensible, me semble-t-il, qui est liée à l'outil numérique dans le domaine juridique, est une certaine horizontalisation de la règle de droit. Le moteur de recherche ne sait pas dire tel arrêt, tel jugement est d'une importance capitale, s'il résulte d'une réflexion doctrinale approfondie, ou si c'est une espèce isolée. Bref, il ne sait pas dire si un arrêt est un grand arrêt. Puisque tout peut être publié, tout peut être regardé potentiellement comme d'une égale valeur. Et ceci conduit à lisser considérablement l'importance de certains textes, et à gommer l'intelligence, encore une fois la vraie intelligence, qui gouverne à l'adoption de telles solutions dans tel cas et non dans tel autre. Bref, il n'est pas exclu qu'il soit pertinent de recommander aux juristes, qu'ils soient avocats, magistrats, conseils, de ne pas chercher à imiter ce que les machines font structurellement. Que sont les machines? Et vous l'avez dit, Madame la Présidente, eh bien, les machines n'ont aucune imagination et elles sont structurellement conservatrices. Elles disent ce qui a été déjà décidé et elles disent... voilà. Est-ce que la raison d'être des professions juridiques est d'être structurellement conservateur? Je ne suis pas absolument certain que ce soit systématiquement ce que les justiciables attendent. L'autre chose, c'est que ces machines sont également structurellement peu ou pas attentives aux personnes. Elles sont aveugles, elles ne voient que des noms, elles ne voient pas des âmes, elles ne voient pas des souffrances, elles ne voient pas des situations. En revanche, donc... ce que peut faire le juriste que j'appelle de mes voeux et que j'aimerais que nous formions, c'est un juriste qui n'est pas dupe de ce que sait faire l'intelligence artificielle et qui n'est pas dupe de ce que lui sait faire, c'est-à-dire éviter de refaire ce que l'intelligence artificielle fait mieux que lui et redonner de l'importance intellectuelle et de l'épaisseur humaine à son métier de juriste. Dernière observation, et j'en aurai terminé, Madame la Présidente, si les juristes n'ont plus la possibilité d'embrasser l'ensemble du droit, c'est une évidence compte tenu du corpus tel qu'il existe, comme à l'époque de ces six codes que l'on glissait sous la robe de l'avocat, et que, en outre, le marché du droit
conduit à son hyper spécialisation. Je crois que nous sommes invités à nous interroger lors de cette conférence sur le risque de déconnexion, c'est le petit jeu de mots de la journée, le risque de déconnexion des juristes avec une société du fait de l'hyperconnexion. N'oublions pas que la Révolution française s'est faite en grande partie contre les juristes, contre les parlements d'Ancien Régime, contre cette spécialisation, contre ce qui apparaissait comme de la chicane, contre un monde que les citoyens ne comprenaient pas, ne comprenaient plus, et dont il avait le sentiment qu'il ne lui rendait plus ce service éminent, qui est celui de rendre la justice. Hein, c'est pas voilà, rendre la justice, parce que la justice est une exigence qui appartient au justiciable. On la lui rend. Voilà. Cette suggestion, qui est une suggestion en réalité qui va un petit peu plus loin que celle de la technique juridique, hein, suggestion qui consiste pour le juriste à en permanence, donc le juriste humain, pas l'IA, à conserver, à cultiver cette proximité avec l'humain, ce vers quoi ne conduit pas l'emprise du numérique sur nos professions telles qu'elles risquent de se développer dans les années à venir. Voilà quelques remarques d'historien du droit sur ces sujets. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette mise en perspective. Je vais passer la parole à monsieur le président Vivien David. Merci à vous, madame la conseillère. Merci, madame professeure, pour cette invitation à laquelle je suis sensible, à la fois pour la confiance exprimée et puis l'occasion offerte de retrouver la Cour de cassation auquel nous sommes naturellement attachés. Nous avons fait là un chemin vers le passé. Je vous propose un chemin vers le futur, l'année 2054. Dans le cadre d'un programme expérimental, le ministère de la Justice teste un nouveau dispositif. Fondé sur une technique de justice prédictive, la brigade pré-crime s'attache à identifier et appréhender avant leur passage à l'acte les criminels. Au cœur du dispositif, trois sachants y tiennent lieu d'algorithmes, les pré-cog, ainsi dénommés en référence à l'approche cognitive, pré-cognitive pourrions-nous dire, de nature probabiliste, qu'ils mettent en œuvre. Menée par l'officier de brigade, une procédure de prévisualisation de leur rapport a lieu. Elle est certifiée, contrôlée et attestée par deux co-témoins, dont un juge. C'est sur la base d'une analyse adoptée, sur un principe majoritaire, qu'elle autorise alors l'interpellation. Nous sommes bien sûr dans l'œuvre de fiction. Vous aurez peut-être reconnu ce texte fort, plus riche qu'il n'y paraît bien souvent, qui a été écrit 100 ans plus tôt, si on se réfère à la date de 2054, en 1956, par l'écrivain américain Philip K. Dick, et qui offre un regard aiguisé sur les évolutions, entrevues seulement à l'époque, d'une justice à l'heure de technologies nouvelles. Elle esquisse les mutations d'un futur proche, en souligne les bénéfices comme les risques. Trois mutations. Dématérialisation des échanges, qui est alors présentée comme désincarnée, menée à distance, et vous l'avez perçu, hors de toute contradiction. Virtualisation de la scène judiciaire, qui est la soustrait au regard, à la publicité, et partant à toute possibilité d'un contrôle démocratique. Digitalisation du processus intellectuel lui-même, qui est fondée sur les probabilités et qui ignore ce rapport minoritaire, c'est le titre de la nouvelle Minority Report. Ce rapport minoritaire marque pourtant de la singularité d'une affaire autant que de son imprévisibilité, avec en arrière-plan le libre arbitre.
La réalité et les modèles qu'on a, qui sont aujourd'hui à l'œuvre, heureusement diffèrent de ceux qui ont été évoqués dans cette préfiguration d'un futur. Les révolutions engagées, pourtant, sont les mêmes. Et la force des enjeux est présente, identiquement. Nous avons, au projet de J21, ont succédé les chantiers de la justice, période 2018-2022, suivi de près par le plan de transformation numérique 2023-2027, avec un objectif à l'horizon de la fin du quinquennat, zéro papier. Je voudrais vous proposer deux axes par conséquent de réflexion qui sont d'avant tout présentés comme une grille de lecture, puisque nous sommes dans une conférence introductive que je vous propose pour la suite des réflexions. Un premier temps en forme de panorama non exhaustif de ces transformations, et vous avez compris que je vais évoquer les trois types de transformations qu'on a évoquées précédemment, et également une grille d'analyse possible des bénéfices comme des risques. Je vous le propose en praticien du droit, je tiens à souligner cet aspect, observateur en même temps qu'acteur d'une partie de ces mutations, mais qui n'est ni expert des technologies nouvelles, ni un tenant du droit du numérique. Trois mutations par conséquent. Je vous les ai évoquées et vous allez comprendre, voir à quel point ce qui a été évoqué comme étant un travers à éviter, les types de mutations présentes sont actuelles. Dématérialisation tout d'abord de la relation. Elle est très présente à la fois dans l'accès. C'est déjà de l'actualité, dans l'accès notamment aux institutions, l'accès aux juges, qu'il s'agisse de la saisine, du suivi d'une affaire, ou de l'échange d'écriture ou de transmission de pièces. Nous pouvons penser aux applications télérecours et télécitoyens utilisées dans la justice administrative, télécitoyens ayant été inaugurés en 2019, donnant accès à tout un chacun aux procédures en cours. C'est également la plateforme tribunal digital pour les tribunaux de commerce, effective également depuis 2019, ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est aussi le projet Portalis, en lien avec le portail justice.fr, un arrêté technique de 2021, les régies, avec deux objectifs, d'unifier en une seule chaîne applicative informatique l'ensemble du traitement des procédures civiles et de dématérialiser les procédures judiciaires autour du portail, d'un portail du justiciable qui permet aux justiciables, d'ores et déjà, après s'être identifié, authentifié via France Connect, que plusieurs d'entre vous connaissent, pour utiliser dans d'autres champs d'interaction avec l'administration, et qui lui permet dans certaines procédures d'engager des saisines. C'est le déploiement du système d'information de l'aide juridictionnelle, par exemple, en 2022, de nombreux dispositifs donc, qui manifestent cette dématérialisation de la relation dans l'accès. C'est une dématérialisation de la relation dans la communication, et l'échange, le débat judiciaire lui-même. On songe ici à des mutations plus anciennes déjà, ce sont les réseaux de communication électronique, RPVJ et RPVA, en lien avec Libaro, un décret de décembre 2005, entré en vigueur en 2009, avec toute une série d'arrêtés techniques les mettant en œuvre, en 2008 à la Cour de cassation, 2009 des tribunaux judiciaires, 2010 les cours d'appel, 2013 tribunaux de commerce. Toujours sur le champ de la dématérialisation dans les communications, c'est Naughty Dog, par exemple, aussi, pour ce qui est de la transmission au commissaire de justice, anciennement huissier de justice. Transmission des citations à notifier, transmission également des significations à opérer. C'est la plateforme Opalex avec les experts, c'est vous dire que cette dématérialisation des relations, lorsqu'il s'agit de la communication entre les gens de justice, elle est déjà actuelle. C'est une dématérialisation aussi dans la prise d'acte elle-même et de la décision, au travers notamment de la signature électronique. Songeons que la signature électronique a connu sa première mise en place ici, à la Cour de cassation. Première mise en place en Europe pour une Cour suprême, cela date de 2013.
Elle est en plein de développement dans de nombreux domaines. On le voit lorsque l'on est en relation avec les différents partenaires de justice, quels qu'ils soient, et également en juridiction, avec en dernier lieu le développement qui connaît une expérimentation élargie de la procédure pénale numérique, avec son bureau pénal numérique, qui permet une procédure nativement numérique depuis l'origine, aucun acte papier au niveau des services de police, pour aboutir à l'autre bout de la chaîne à une décision entièrement numérique. Les caractéristiques de cette dématérialisation des relations, c'est celle de l'instantanéité et du temps réel dans les échanges. C'est celle de l'immatérialité complète des actes, puisque on voit bien que les originaux deviennent immatériels. C'est celle aussi de l'horodatage et de la traçabilité des actes. C'est enfin celle d'un accès médiatisé aux actes, puisque, à la différence des époques passées, où on pouvait y accéder seulement avec l'œil humain, il y a le biais de la technique pour y accéder. Première mutation, donc, celle de la dématérialisation des relations. Deuxième mutation, qui est aussi à l'œuvre et qui est déjà actuelle, c'est celle de la virtualisation de l'espace judiciaire. L'espace judiciaire devient lui-même virtuel. On le retrouve à différents niveaux. D'abord dans le pilotage des institutions. Les outils qui sont maintenant aux dispositions des juridictions permettent d'organiser les compositions, les lieux de débat, les temps de débat, le contenu du rôle, entièrement par voie dématérialisée. Ce sont les applicatifs pilotes, pilote audiencement, qui peuvent mettre en place un affichage directionnel adapté. D'autres applicatifs qui font l'objet actuellement d'expérimentations dans le cadre de start-up d'État permettent même d'organiser la répartition des effectifs entre les différents services et d'analyser les incidences sur l'activité d'une juridiction et le déstockage, par exemple, d'un contentieux, d'une modification de la répartition, c'est le dispositif Ajuste. D'autres encore permettent d'organiser également, de manière entièrement dématérialisée, l'accès au droit et l'ensemble des services publics offerts, ce sont l'applicatif Rendez-vous Service Public. Donc une virtualisation dans l'organisation de l'espace, dans le pilotage même des institutions. C'est une virtualisation aussi, toujours dans l'espace, lorsqu'on s'intéresse à la scène du débat judiciaire. Nous avons vu, avec la crise sanitaire, se développer considérablement le recours aux visioconférences. C'est aussi, dès la sortie de la crise sanitaire, l'organisation de téléaudiences, qui avait fait l'objet d'une dépêche de la part conjointe du secrétariat général et de la direction des services judiciaires du ministère de la Justice, organisant, je parle bien d'une téléaudience, c'est-à-dire une audience entièrement dématérialisée avec un site entièrement dématérialisé où les uns et où les autres se connectent à une sorte de salle d'audience virtuelle. Nous sommes dans une virtualisation complète du débat. Alors bien sûr, c'est surtout la procédure écrite qui est concernée, c'est les procédures peu contentieuses, suivant la note qui était indiquée à l'époque, et puis également les hypothèses où, pour des raisons d'obstacles à la mobilité, nous serions obligés d'y recourir. C'est aussi, encore une fois, un arrêté technique de mai 2022 venant régir la vidéo-audience et la vidéo-audition avec l'exigence d'un motif légitime pour pouvoir y recourir, évidemment, mais qui est du coup une réalité. La scène judiciaire peut déjà aujourd'hui être entièrement virtuelle. Toujours dans la virtualisation de l'espace, c'est la virtualisation dans la structuration même de la relation de travail, puisqu'on s'intéresse aux juristes. Eh bien, le juriste n'échappe pas à cette tendance qui intéresse l'ensemble des professionnels d'une virtualisation progressivement de la relation de travail. Avec l'émergence des bureaux virtuels, nous sommes en pleine période de déploiement ici de Nomos 2, si j'ai bien retenu les différents retours, les différents éléments qu'on a pu m'apporter. Nous sommes dans des bureaux virtuels qui existent déjà à la Cour depuis longtemps, qui existent dans d'autres juridictions, au Conseil d'État également, depuis longtemps, et les juridictions administratives plus généralement. C'est le développement du télétravail et du travail à distance. Ce sont le recours de plus en plus fréquent à des plateformes de communication vidéo en ligne.
cet aspect de la relation de travail a aussi est actuel. Évidemment, alors, comment ne pas songer que cette virtualisation puisse avoir une incidence sur un quatrième aspect, celui de l'architecture judiciaire. Car nous avons des bâtiments qui sont conçus entièrement, pour l'instant, autour de la logique de l'audience et de l'audience physique. Quand on esquisse l'ensemble de ces éléments, on ne peut manquer de s'interroger, car les caractéristiques de cette virtualisation, c'est celle d'un travail ensemble à distance, multisitué, audiovisuel à ce stade, mais ça pourrait un jour prendre encore une autre réalité, mais toujours médiatisé, encore une fois. C'est la technique qui nous permet d'y accéder, là où la présence physique suffit dans une salle d'audience. Troisième grande mutation, c'est la digitalisation du processus. Du processus intellectuel à l'œuvre. Et cela, ça a été évoqué il y a quelques instants, cela se manifeste déjà dans la compréhension même du droit, premier axe. Avec les différentes bases de données qui existent depuis longtemps déjà, mais qui se sont considérablement développées, Légifrance, Jurinet, Jurica, Jurilibre, Ariane, ArianeWeb, UDOC, celle des éditeurs juridiques aussi. Il y a bien sûr l'Open Data qui, avec le décret du 29 juin 2020, voyant sa mise en œuvre donc acquise pour la Cour de cassation et en cours pour les juridictions du fond, avec l'idée de permettre un accès de tous à la multitude des décisions de justice. C'est aussi le développement des intelligences artificielles qu'on a pu évoquer, jusqu'à voir maintenant certains dispositifs proposés, comme le dispositif e-avocat entendu récemment, proposés d'apporter des solutions juridiques à des problématiques présentes. Cet aspect de la compréhension du droit, on voit qu'on est confronté à la multitude, à la complexité en réalité, de décisions de tous niveaux, et par-delà les hiérarchisations habituelles, avec des décisions de première instance, d'appel, autant que de la Cour de cassation, avec l'idée de pouvoir y recourir, et les cabinets d'avocats, notamment d'une certaine ampleur, les auxiliaires de justice d'une certaine ampleur, recourent déjà à l'intelligence artificielle pour établir des corrélations entre les règles de droit et agissent ainsi assistés par ordinateur. C'est une digitalisation du processus dans l'appréhension du fait aussi, car l'intelligence artificielle, là aussi les algorithmes permettent, et c'est encore une réalité dans certains cabinets d'avocats, permettent de structurer un dossier de procédure, d'établir aussi des corrélations entre des pièces, dans des conditions avec une puissance de calcul, oserais-je dire, qui dépasse évidemment l'humain, ou nous requiert énormément de temps. C'est bien sûr aussi la digitalisation dans l'élaboration même et la formalisation même de l'acte ou de la décision. Nous connaissons depuis longtemps les trames de décision, mais nous les dépassons de loin désormais, avec des applicatifs qui permettent des propositions de formulation et qui sont autant d'outils qui se présentent comme des outils d'aide à la décision. Cela nous amène sur cette question de la digitalisation au quatrième axe, et c'est celui qui fait écho à ce que vous avez indiqué, monsieur le professeur, et de ce que je sais qui sera évoqué ensuite, c'est celui de la formation du juriste. Parce qu'évidemment, dans cette approche de digitalisation du processus, la formation va être différente, puisqu'il s'agit d'appréhender une multitude non hiérarchisée, probabiliste, qui est normalisée, standardisée au niveau de l'approche informatique. Et il y a la question de la plus-value du juriste, davantage probablement en tant que contrôleur qu'en tant que rédacteur. On en vient déjà en réalité au travers de ces trois grandes mutations qui sont déjà actuelles, qui ne sont pas forcément le quotidien de tous les juristes au même moment, et c'est aussi d'ailleurs un élément qui pose question. On en vient aux défis qui se présentent à nous. L'objectif, vous l'avez compris, quand on évoque souvent ces questions de développement du numérique dans le champ du droit, c'est celui d'efficacité qui est présenté, celui de renforcer la sécurité, notamment la sécurité juridique,
C'est aussi un objectif d'économie de moyens, hein, qu'on ne peut pas ignorer dans le contexte actuel, et même un objectif de développement durable. Quand on évoque le zéro papier, on est aussi sur ces enjeux environnementaux. Différents défis, moi, m'ont paru apparaître en réfléchissant à ce sujet, et peut-être pourraient être utiles pour la suite comme grille de lecture. Il y a un premier défi qui se présente à nous, qui me semble être le défi d'accessibilité. L'objectif, on l'a compris, c'est notamment d'offrir une accessibilité, une proximité renforcée du droit pour tout un chacun par un accès direct via son ordinateur ou son smartphone. Cela pose plusieurs questions. Une première question, c'est la question de l'accès de tout un chacun au langage juridique. Et sur cette question, nous avons déjà eu des manifestations de leur prise en considération. C'est toutes les évolutions qui ont été engagées au courant de ces années 2010 au Conseil d'État avec le rapport Martin et puis ensuite à la Cour de cassation avec toute la commission sur la réforme de la Cour visant à modifier les modes de rédaction des décisions de justice, renoncer au style indirect, renoncer à certains termes jugés peu accessibles et parvenir donc à des décisions davantage explicitées dans leur contenu. Deuxième question qui se pose lorsqu'on envisage cette accessibilité directe par le justiciable, c'est celui du conseil éclairé. Car, fort heureusement, on ne s'improvise pas juriste. Fort heureusement pour nous. Pour le justiciable, il y a ce besoin d'un conseil éclairé. Et il n'est pas ce n'est sans doute pas anodin que dans le même temps qu'on voit se développer ces soucis d'accessibilité immédiats, dans tout un certain nombre de domaines, et notamment dans la saisine des juridictions, le ministère d'avocat obligatoire se soit étendu. Probablement, il y a cet enjeu du conseil éclairé. Il y a l'enjeu ensuite de l'accès au numérique, qui est un défi important. Il faut bien mesurer une chose, c'est que en certains lieux ou en certains milieux parfois, le smartphone, l'ordinateur où on peut se connecter de chez soi, peut être un élément de proximité. Ce n'est pas toujours le cas parce que nous avons toute une part de nos concitoyens qui n'ont pas encore un accès plein et entier au numérique. Il y avait des évaluations qui ont été effectuées, évoquant, même dans les années 2018, 13 millions de Français connaissant des difficultés avec le numérique. C'est un enjeu qu'on peut percevoir même au quotidien. Je vous donne un exemple, c'est par exemple le recours à des dispositifs comme NotiDoc qui permettent une transmission dématérialisée pour signification des actes, mais qui se heurte à la nécessité de rematérialiser les actes lorsqu'il s'agit de signifier à une personne, tout simplement parce que l'outil ne permet pas, la personne ne dispose pas du matériel ou de la compétence lui permettant de le faire de manière dématérialisée. Donc il y a tout un enjeu qui dépasse de loin la communauté juridique, d'accès au numérique. C'est la nécessité dans ce contexte de voir se développer des accompagnements numériques. C'est le rôle complémentaire qui a été donné aux maisons de justice et du droit. C'est également un rôle important des conseillers numériques, des structures France Service. J'en ai une très efficace dans mon ressort, et qui, justement, viennent apporter cet accompagnement numérique nécessaire dans un contexte de dématérialisation renforcée. Nous avons aussi, toujours sur cet accès, l'importance de l'adéquation de l'accès. Et là, ça renvoie aux problématiques de paramétrage et de fiabilité de l'outil. Vous avez, avec la nécessité parfois de pouvoir recourir subsidiairement au matériel. C'est la jurisprudence connue sur l'accès au juge, puisqu'en arrière-plan, c'est bien l'accès au juge dont il est question. C'est l'arrêt Xavier Lucas contre France. Avec la nécessité parfois, lorsque le paramétrage ne permet pas une saisine sous la bonne rubrique, d'admettre une saisine par une voie matérialisée. Donc le premier défi, défi d'accessibilité. Deuxième défi, c'est le défi de sécurité.
Là aussi, un des objectifs qui est avancé, c'est celui de l'efficacité renforcée hein, par l'instantanéité des échanges dans le recours au numérique. C'est aussi parfois celui de la sécurité renforcée par l'abandon du papier, avec du support matériel, avec les risques que connaît un support matériel de perte de ce support, de contrefaçon du support, et de cet ordre-là. Plusieurs questions se posent à nous, alors. C'est que, dans le numérique aussi, il y a l'enjeu de fiabilité du processus, d'intégrité du contenu, de préservation de la confidentialité, de la liberté de l'échange, et puis celui de la conservation et de l'archivage. C'est dit très clairement, d'ailleurs, dans le Code de procédure civile, lorsqu'on s'intéresse à la communication électronique, dans l'article 748-6, qui rappelle l'importance de pouvoir des procédés techniques utilisés, de pouvoir garantir la fiabilité dans l'identification des parties, nous assurer à distance de l'identité de la personne, l'intégrité du document, s'assurer que le document soit bien conforme et pas contrefait d'une quelconque manière. C'est, même dans cet esprit d'ailleurs, lorsqu'on recourt à la visioconférence, c'est la difficulté de la prise en compte de l'environnement que l'on ne perçoit pas toujours. Or, il faut aussi pouvoir garantir la liberté. C'est la sécurité, la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et, par ailleurs, l'horodatage exact, s'assurer de la date exacte des transmissions. Cela amène, du coup, à chacun des déploiements du numérique, le recours à des arrêtés techniques destinés à les régir, des certifications pour ce qui est notamment des outils électroniques, le développement d'un matériel et d'un logiciel adéquat. C'est l'un des grands enjeux du plan actuellement de transformation numérique, d'assurer la disposition des juridictions d'un matériel nécessaire. C'est aussi l'assistance efficace, sans, par exemple, ce n'est pas anodin, 100 techniciens informatiques de proximité ont pris ainsi leur fonction en 2023 au sein des juridictions pour apporter cette assistance. Parce qu'on retrouve ici quelque chose de très important, c'est que, je l'ai évoqué tout à l'heure dans les trois mutations, à chaque fois nous avons un rapport médiatisé par le biais informatique, soit à la communication, soit à l'espace, soit au raisonnement, puisque ce n'est plus en direct, mais par l'ordinateur. Donc ces soucis d'assistance, de matériel adéquat et de certification sont essentiels, de même que la formation à ces outils. Troisième défi qui me paraît se poser, il y en aura un quatrième. Troisième défi qui me semble important, c'est le défi normatif. L'objectif qui a pu être évoqué parfois dans le développement du numérique, c'est celui, et notamment de l'open data, c'est celui d'assurer la transparence de la justice, de renforcer la confiance de nos concitoyens, d'assurer une cohérence et une sécurité juridique renforcée, comme de favoriser l'information. Simplement, je l'ai évoqué précédemment, l'open data nous confronte à la multitude des décisions, même à la complexité. Il pose la question de la hiérarchisation des normes comme des décisions, et il aborde les corrélations dans une logique essentiellement cognitive, fondée sur les probabilités n'envisageant pas l'idée même de progressivité. Or, le droit, d'abord, se nourrit d'une hiérarchie. Hiérarchie des normes, hiérarchie dans les décisions de justice. Et c'est déjà aussi quelque chose qui est pris en compte, notamment au travers des efforts menés au niveau des cours suprêmes et la Cour de cassation notamment, en termes de classification des arrêts. C'est la nouvelle classification des arrêts depuis 2021. Sous les rubriques B et R, hein, bulletins et rapports, et puis des choix de diffusion nouveaux au travers de lettres de chambre et de communiqués de presse en fonction de l'impact de la décision. C'est ici la prise en considération de la nécessité dans un contexte multiple de permettre aux uns et aux autres de mesurer la hiérarchie entre les différentes décisions susceptibles d'être prises. Il y a un enjeu de progressivité du droit.
Le droit, nous le savons, et en particulier dans cette juridiction, pendant longtemps, nous évoquions pour la Cour de cassation que la jurisprudence était la jurisprudence des petits pas, et que c'était une jurisprudence qui s'élaborait à la faveur des contradictions. N'oublions pas que dans l'ADN judiciaire a été intégrée cette idée qu'il puisse y avoir des rébellions de la part des juridictions du fond, et que c'est souvent à la faveur d'une rébellion qu'évolue le droit. Or, une approche qui est beaucoup plus fondée sur la multitude des décisions et les corrélations entre décisions n'intègre pas cette dimension. D'où l'intérêt d'y travailler de nouveaux outils. Et c'est par exemple l'un des objectifs de l'Observatoire des litiges judiciaires qui vise d'une nouvelle manière à identifier des contentieux émergents, des divergences de jurisprudence et des sujets d'intérêt public majeurs en vue de pouvoir les traiter de manière différenciée. On intègre une logique de différenciation, par la même occasion une logique de progressivité du droit. C'est aussi en fait l'idée dans ce défi normatif d'au-delà de la normalité réintégrer l'idée de normativité. C'était une distinction qui était faite notamment par Mireille Delmas-Marty qui derrière le mot norme distinguait deux logiques, celle de la normalité, c'est-à-dire la moyenne des comportements, et celle de la normativité, ce qui doit être, le devoir être, en précisant que la normativité n'est pas toujours conforme à ce qui est la majorité, et que parfois le droit peut être précurseur et influencer la majorité. Eh bien, au travers de, il y a là aussi un enjeu de voir au-delà de la normalité, de voir redévelopper une idée de normativité. C'est en réponse à l'inquiétude de Garapon sur une approche seulement cognitive, celle de devoir affirmer une approche normative. Et c'est là peut-être un des champs aussi du juriste, précisément, au-delà de l'outil technique. C'est de pouvoir apporter quelque chose. Et l'un des intérêts du ministère d'avocat, aussi obligatoire, c'est de pouvoir, face à une situation et au regard de l'évolution, par exemple, du contexte économique et social, porter une solution différente de celle qui est la position majoritaire, porter le rapport minoritaire là où plutôt que de l'écarter. Dernier défi, celui du défi relationnel. C'est un défi majeur dans l'espace du numérique. Bien sûr, il y a l'idée d'un objectif de proximité et de célérité qui existe dans le numérique, d'être en relation presque en temps réel, mais c'est une relation toujours médiatisée, encore une fois. Il y a tout un ensemble de questions que posent les technologies du numérique en termes à la fois de l'accompagnement utile, peut nécessiter une décision. Une réflexion, par exemple, qui est posée, c'est lorsqu'on évoque la signification des décisions par voie numérique de la part d'un commissaire de justice ou la signification d'une citation. Ce que les commissaires de justice évoquent, c'est toute l'importance de voir accompagner cette transmission de l'acte d'une explication pour le justiciable. Donc il y a toute cette importance de la relation au-delà même de l'acte lui-même, de pouvoir apporter un accompagnement complémentaire pour dire à la personne « Attention, c'est très important, vous avez une citation, c'est très important que vous comparaissiez. Vous avez « Attention, il y a l'énoncé des voies de recours. » Attirer l'attention surtout à celui qui n'est pas un sachant. Il y a bien sûr l'enjeu matériel. Il y a disposer du matériel nécessaire pour être en relation. Mais il y a aussi l'enjeu relationnel au travail. Très important. Alors sur l'enjeu matériel, pardonnez-moi, c'est là aussi que se développe tout un certain nombre d'outils, hein, d'outils de sécurisation des échanges, hein, c'est les VPN, les outils de cryptage, d'outils de communication, les outils de webconférence, de messagerie, de partage de données, hein, les Resana, Plin et Plex notamment, hein, donc de nombreux outils matériels nécessaires à cet échange à distance. Il y a les enjeux relationnels au travail, parce que lorsqu'on est en télétravail, et beaucoup en ont fait l'expérience dans ces périodes récentes, eh bien, c'est tout un ensemble de questions qui se posent. Celles des nouveaux modes de mesure de la charge de travail, de l'évaluation de la performance au travail,
qui se posent différemment. C'est celle aussi de la manière d'être ensemble au travail, c'est-à-dire toutes les nouvelles approches de la communauté professionnelle, défi premier dans ces contextes-là. Qu'est-ce qui fait que nous avons le sentiment d'œuvrer au service d'une même œuvre commune ? Cela demande à être réinventé. Et puis, c'est toute la mise en place d'un nouveau cadre déontologique au travail qui se pose, avec intégrant des principes importants, mais novateurs, tels que le droit à la déconnexion, hein, et le droit à pouvoir concilier vie professionnelle et personnelle en un moment donné s'extrayant d'un milieu professionnel, alors que physiquement, nous sommes toujours au même endroit. Dernier enjeu au plan relationnel, c'est l'enjeu relationnel au litige. De plus en plus, au cours de ces dernières années, apparaît de manière plus criante ce qui est une réalité depuis longtemps, c'est qu'il y a dans le litige son objet juridique, certes, mais il y a également la relation qui le sous-tend. Il n'est sans doute pas anodin de voir se développer au moment où les technologies du numérique sont croissantes, prennent une place croissante, et où la distance se fait, une attention toute particulière se développer pour des modes autres de règlement des différends centrés sur la relation. C'est l'objet de tous les modes amiables et notamment de la médiation, parce que l'un des enjeux dans cette période, dans ce souci numérique, c'est de ne pas voir ignorer derrière la seule réponse juridique la question de l'accompagnement et du traitement des questions relationnelles qui sont à l'œuvre et qui sous-tendent souvent les litiges. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette présentation très riche de l'état de l'institution judiciaire actuelle et de sa préoccupation du numérique vers le zéro papier, comme vous le soulignez très justement, et également des enjeux et perspectives à venir, plus ou moins contentieuses, plus ou moins difficiles à appréhender. Et c'est justement dans cette vision perspective que s'inscrit Madame Nathalie Frisero, qui va intervenir maintenant et à qui je cède la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je voudrais remercier ma collègue de m'avoir invitée à participer à cette réflexion, et vous aussi, Madame la Présidente, pour votre accueil. Ma position est difficile parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, y compris d'ailleurs dans le cadre des évolutions historiques, hein, qui ont déjà anticipé, c'est vrai, certaines difficultés. Alors je vais essayer de me projeter dans le futur tout en prenant tout de même des bases mouvantes de réflexion, puisque réfléchir sur l'intelligence artificielle alors que nous n'en mesurons pas encore tous les développements techniques, c'est bien sûr un petit peu compliqué, mais je vais essayer d'être dans ce qu'on appelle parfois en médiation le couloir du raisonnable en ce qui concerne ma réflexion personnelle. Alors je suis partie d'un constat, c'est que nous sommes encore en période de transition numérique et d'intelligence artificielle, hein, mais on a l'impression qu'on est en période de transition numérique depuis fort longtemps. Et je me suis référée à des auteurs relativement anciens, enfin pas historique, hein, mais j'avais lu un ouvrage de Raphaël Simone en 2012 qui s'intitulait « Pris dans la toile, l'esprit du temps du web », qui annonçait, grâce au numérique, hein, on n'en était pas encore à ChatGPT, bien sûr, qui annonçait au temps du numérique, donc la troisième révolution, l'écriture, l'imprimerie et ensuite le numérique. Et il parlait de la mutation anthropologique de la personne humaine, en ce sens que les modes de formation et de transmission des connaissances lui paraissaient totalement bouleversés grâce au numérique et qu'il y avait des mutations anthropologiques. On les retrouve d'ailleurs chez Michel Serres, que tout le monde a lu, La Petite Poussette. Vous savez pourquoi il a intitulé son ouvrage La Petite Poussette ? Parce que, semble-t-il, il y a effectivement des mutations anthropologiques dans le cerveau de l'être humain, puisque la partie du cerveau qui dirige le pouce de nos adolescents, hein, puisque apparemment c'est générationnel, leur permet d'écrire des textos et d'écrire sur les iPhones avec une célérité absolument remarquable, ce que les anciens ne savent pas faire, parce que cette zone du cerveau n'est pas active chez eux, et ça s'est été révélé par l'IRM. Donc la petite poussette correspondait effectivement à une mutation anthropologique et à des transformations internes, cérébrales, ne me demandez pas d'explication.
je ne suis pas spécialiste et neuroscientifique. En tout cas, l'appareil cognitif de l'être humain, évidemment moderne, active d'autres fonctions et évolue, quelle que soit l'issue de cette évolution. Alors, les professionnels du droit, bien entendu, sont confrontés à ces mutations et, me semble-t-il, les transformations peuvent être étudiées dans deux directions que j'ai adoptées de manière un peu arbitraire, bien sûr. Dans un premier temps, je me suis positionnée sur le fait que l'intelligence artificielle m'apparaissait comme étant un nouveau collègue. C'est-à-dire qu'il va fabriquer des personnes humaines professionnelles augmentées, comme on dit. Les professionnels sont condamnés à être « smart », au sens américain du terme, c'est-à-dire intelligent au sens que vous l'avez indiqué, bien entendu, hein, ce qui n'a rien à voir avec l'intelligence telle que nous l'entendons. Le juriste ne survivra pas de toute façon s'il n'est pas augmenté et s'il n'entretient pas avec l'intelligence artificielle une collaboration hybride. L'humain ne doit être ni le maître ni l'esclave des systèmes informatiques, il doit être son collaborateur et s'en servir et l'utiliser. Alors, c'est déjà une réalité, hein, ce nouveau collègue, et je vais essayer de tenter de synthétiser, hein, les éléments qui me permettent de dire que l'intelligence artificielle est déjà un collègue des différents professionnels du droit. D'abord, l'intelligence artificielle est un collègue qu'on apprend à connaître. La formation des juristes, évidemment, s'accélère. Tout le monde est formé au numérique. Les avocats maîtrisent parfaitement le RPVA, le réseau privé virtuel avocat, communiquent et utilisent le numérique, évidemment. Alors, ils ne sont pas tous capables de coder et de fabriquer eux-mêmes un logiciel, mais comme vous le savez, dans l'éducation nationale, maintenant, les élèves apprennent à coder au collège. Ils apprennent ce que c'est que le codage et la programmation. Donc, je pense que, finalement, les êtres humains et les professionnels finiront évidemment par avoir une maîtrise minimale de l'intelligence artificielle, ce qui leur permet évidemment de l'utiliser. Et on verra apparaître de nouvelles professions. Les juristes informaticiens ou informaticiens juristes, je ne sais dans quel ordre évidemment l'indiquer, puisqu'il est évident qu'un logiciel, un chat GPT spécialisé dans le domaine juridique, puisque maintenant on envisage évidemment des GPT particulier spécialisé dans certaines tâches, existe déjà en France la plateforme LegiGPT, qui est un GPT, évidemment, une intelligence artificielle qui concentre la législation et la jurisprudence exclusivement française, puisque les GPT actuels peuvent répondre aussi en intégrant des législations qui nous sont totalement étrangères, ce qui n'a pas vraiment un intérêt majeur pour le professionnel. Donc, on assistera nécessairement à l'émergence de nouvelles professions transversales et englobantes. Le deuxième aspect qui permet de dire que l'intelligence artificielle est vraiment un nouveau collègue, on l'a déjà évoqué, évidemment. L'intelligence artificielle augmente les capacités des professionnels en leur permettant un accès facile, évidemment rapide et efficace aux données juridiques, à l'ensemble des données juridiques. Et je dirais les données juridiques et les données factuelles. Parce que quand on analyse algorithmiquement une décision de justice, on peut cibler les critères de recherche, évidemment. On peut le cibler sur quel est le fondement juridique qui a été appliqué, quel est le moyen qui a permis de l'appliquer et quels étaient les éléments factuels du contexte qui apparaissent dans le jugement. Est-ce que la personne qui a demandé réparation de son préjudice corporel, quelle était son activité professionnelle, son âge, sa situation de famille, ce qui permet évidemment de cibler un peu mieux et de détourner un petit peu l'inconvénient que vous avez envisagé, c'est-à-dire que l'IA serait purement théorique et déconnectée du contexte. Non, une analyse précise des décisions de justice, motivée en fait et en droit, permet aussi de concentrer la recherche sur des éléments factuels, ce qui naturellement performe l'avocat et puis le citoyen, voire le juge d'ailleurs, bien sûr, qui devra avoir accès à ces bases de données de la même façon que la totalité des professionnels du droit. Et je dirais aussi qu'il y a une certaine performance du professionnel du droit parce que si initialement il était possible de lire la totalité des 6 codes, maintenant nous le savons bien, on ne peut pas être un juriste universel. Eh bien si,
avec l'intelligence artificielle, on peut avoir accès à des données juridiques dans des matières dans lesquelles on n'est pas spécialiste. Et si, par ailleurs, on a une excellente formation de juriste que je déconnecte, moi, de l'aspect quantitatif et des connaissances intégrées, de la mémorisation des connaissances, la réflexion, c'est autre chose. Si on a appris à réfléchir, on peut aussi réfléchir sur des matières que l'on n'a pas mémorisées antérieurement, pourvu qu'on ait un raisonnement de juriste, un raisonnement, bien sûr, d'excellence. En conséquence, ça permet aussi aux juristes, évidemment, de devenir un juriste, j'allais dire, quasi universel. Et ça va avoir un impact sur la transformation des activités professionnelles, notamment des conseils, des avocats, etc. Aura-t-on encore besoin de jeunes collaborateurs pour aller faire des recherches de jurisprudence et de doctrine? Certainement pas. Il suffira de se connecter sur son smartphone pour avoir la totalité des données. Parce que finalement, quelle est la caractéristique d'un bon avocat? C'est de faire des recherches par son collaborateur et ensuite de prendre la décision de définir la stratégie juridique grâce à son expérience et à ses facultés d'anticipation et d'imagination. En conséquence, voilà des catégories de professionnels qui disparaîtront nécessairement parce qu'on n'en aura plus besoin. Et ça permettra au cabinet, j'allais dire monostructure, à l'avocat isolé, d'avoir les mêmes capacités que l'énorme structure et l'énorme cabinet d'avocats dans lesquels on a 10 collaborateurs qui font de la recherche et de l'actualité jurisprudentielle et législative. Parce que tout seul, devant son iPhone ou son smartphone, il aura la possibilité d'accéder aux mêmes connaissances que le cabinet, évidemment, ultra spécialisé et ultra compétent. Donc ça permet aussi de rétablir, j'allais dire, une certaine égalité de connaissances entre tous les professionnels du droit. Je n'ai pas dit de même qualité de réflexion, j'ai dit de même qualité d'accès aux connaissances, ce qui est tout de même un avantage considérable et ce qui n'est pas le cas, évidemment, actuellement. Alors, l'accès aux données juridiques, évidemment, actuellement, elle n'est pas totalement complète. Et on s'est posé la question, mais je n'y reviendrai pas, sur la hiérarchisation de ces données. Mais je dirais que ce n'est pas un problème nouveau. La hiérarchisation, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On a déjà accès à la jurisprudence des cours d'appel. Même avant l'open data, il y avait déjà des bases de données, Dalloz, LexisNexis, qui fournissaient déjà quelques arrêts de cour d'appel, voire des jugements du premier degré, et l'avocat qui fait des recherches sur une question juridique qui n'a pas été tranchée par la Cour de cassation, parce que je rappelle que la Cour de cassation rend 24 000, il y a 24 000 pourvois en cassation, il y a 3,5 millions de décisions de justice. On voit bien que les juges du fond statuent sur des questions juridiques qui ne seront jamais soumises à la Cour de cassation. Et si l'avocat ou le conseil veut avoir une réponse par anticipation en attendant que la Cour de cassation ait répondu, bien il pourra y avoir accès grâce évidemment à l'open data et grâce à l'intelligence artificielle ou aux bases de données, ce qui est déjà le cas, mais de manière un petit peu mineure. Alors, cet accès aux données juridiques qui permet de considérer l'IA comme un collègue, je vais dire aussi que ça permettra aux citoyens, aux justiciables d'avoir accès. Et là, c'est évidemment une autre difficulté qui a été signalée par Monsieur le Président, c'est un problème de compréhension. Accéder aux connaissances, c'est une chose, mais comprendre les connaissances que l'on a sous les yeux, c'est évidemment totalement différent. Donc, je ne suis pas certaine que l'accès aux données juridiques permettent aux citoyens de les comprendre et d'arriver à répondre à sa situation. Mais on le voit déjà en matière médicale, quand un individu a une douleur quelconque, bah, il va déjà se connecter sur un site internet pour savoir ce qu'il a, et il vient chez son médecin en disant « j'ai ça, il me faut telle pommade, tel médicament ». Ce sera la même chose pour le droit. Il dira à son avocat bah, « écoutez, voilà, j'ai ça, la solution c'est ça, je le sais, il y a tel article du code qui me donne raison, telle jurisprudence, la Cour de cassation a dit que, et il sera capable de le faire. Mais imaginons bien sûr que tous les citoyens n'en sont pas à ce degré-là. Il y a aussi des acteurs économiques qui ont des services juridiques, des directions juridiques, qui sont fort capables d'examiner, évidemment, et de comprendre parfaitement ce à quoi elles auront accès grâce, évidemment, à l'intelligence artificielle. Et j'essaierai d'imaginer tout à l'heure quel va être le réflexe du citoyen averti qui trouve des réponses à sa situation juridique.
Le troisième exemple, enfin le troisième constat qui me permet de dire que l'intelligence artificielle est le collègue des professionnels, alors là je ne vais pas insister, on l'a déjà évoqué naturellement, il s'agit de tous ces outils qui permettent aux avocats d'analyser les pièces de procédure qui sont déjà très utilisées par les cabinets d'avocats. Quand vous avez un procès pénal avec 500 pièces, des milliers de témoignages, vous pouvez grâce à un moteur de recherche extrêmement pertinent essayer de voir s'il n'y a pas des contradictions dans le témoignage de telle ou telle partie, bref, d'analyser les pièces. On peut les analyser, on peut les traduire, on peut les classer, etc. Il y a une multitude de possibilités qui permettent aux professionnels d'être performants face à la documentation extrêmement importante dans les dossiers et dans l'examen évidemment des preuves à l'appui de cette de la stratégie et à l'appui du procès, évidemment, et de la procédure. Et je n'insiste évidemment pas sur la dématérialisation des procédures qui a été parfaitement traitée par le président tout à l'heure et qui montre bien que ça permet évidemment d'aider les professionnels et d'améliorer la qualité de l'exercice professionnel. Alors, ce nouveau collègue n'est pas sans susciter des interrogations, évidemment, hein. Et parmi ces interrogations, alors on est obligé évidemment de prendre du recul et d'envisager l'impact sur les professionnels du droit. Et particulièrement, je ferai deux séries d'impacts sur les juges d'abord et ensuite sur les avocats et tous les conseils et tous les juristes qui gravitent autour évidemment de ce marché du droit, si je puis m'exprimer ainsi. Alors l'impact sur le juge, il a été exposé effectivement, comme l'a signalé Monsieur le Président tout à l'heure, par Garapon et Lasseg dans leur ouvrage sur la justice digitale. Et ce que craignaient finalement ces personnes, ces auteurs, c'est ce qu'ils ont appelé l'effet moutonnier. C'est-à-dire qu'en fait, le juge, par commodité, va approuver, va aller dans le même sens que ses collègues, que la majorité va rester conservateur, ne va pas modifier les solutions. Moi, je trouve que cet aspect-là révèle un certain pessimisme à l'égard des juges, et je ne pense pas qu'ils soient de bon aloi. Je n'imagine pas pourquoi un juge, par commodité, déciderait de décider ce que déclare la majorité s'il lui estime à l'examen du cas que la solution qu'on lui propose ne correspond pas à ce qu'il a décidé avec son pouvoir souverain d'appréciation d'appliquer. Je ne vois pas pourquoi un juge n'aurait pas, parce qu'un avocat le lui demanderait ou parce qu'il aurait cette initiative, n'aurait pas la possibilité de décider que la règle de droit qui a été interprétée dans tel sens pendant plusieurs années doit revêtir une autre interprétation. Alors, je ne suis absolument pas convaincue que le fait que le juge, ayant accès à l'intelligence artificielle et examinant les réponses qu'on lui fournit, se sente tenu d'adopter la même solution. S'il se sent tenu d'adopter la même solution, je dirais que c'est déjà le cas, parce que le juge connaît la jurisprudence, il connaît peut-être la jurisprudence de ses collègues, et s'il a envie d'adopter la même, eh bien, il peut le faire. Mais dans la mesure où, en France, nous n'avons pas de théorie du précédent, il n'y sera jamais contraint et gardera toujours sa liberté d'appréciation. Donc je suis quand même moins pessimiste sur l'impact sur le juge. En revanche, mon pessimisme va plutôt dans cette direction. Est-ce que vraiment le ministère de la Justice offrira au juge un accès à l'intelligence artificielle, puisque pour l'instant, les bases de données les plus performantes sont payantes. Voilà. Et moi, je considère qu'il est indispensable que le juge ait accès à toutes ces bases de données pour se retrouver finalement sur un pied d'égalité avec les avocats, avec les conseils, avec les citoyens, avec les justiciables qui sont amenés à juger. Mais je suis nettement moins pessimiste que Garapon et Lasseg sur ces éléments-là. Alors ensuite, en ce qui concerne maintenant les professionnels du droit, alors là, l'influence de l'intelligence artificielle va considérablement modifier le contenu de leur activité professionnelle. Pas encore leur utilité, parce que je considère que l'IA reste un collègue dans cette partie-là, mais va révolutionner évidemment leur activité. Parce que si l'accès aux données juridiques, si l'accès au savoir juridique
est ouvert, c'est open AI, eh bien, dans ces cas-là, quelle sera la plus-value de l'avocat ? Actuellement, l'avocat, c'est le sachant, c'est l'expert, c'est celui qui connaît le droit. Donc, quand un justiciable vient voir un avocat, il est totalement démuni, il est, je dirais, soumis à la stratégie juridique de l'avocat, évidemment, qui est mise en place. Mais si cet aspect-là disparaît et que l'acquisition des données juridiques est ouverte, dans ces cas-là, il faudra que les avocats apportent une plus-value, Alors, quelle peut être sa plus-value ? Moi, je la vois dans deux directions. La première, c'est quand même une plus-value juridique. Mais ça va supposer que l'avocat ait appris à réfléchir. Non qu'il ait appris le droit, mais qu'il soit ultra spécialisé, qu'il vise l'excellence, c'est-à-dire qu'il soit capable d'imaginer que la solution qui a été proposée dans le cadre de l'intelligence artificielle et qui était connectée à des éléments factuels déterminés, dans son cas, un élément factuel fait que cette solution peut être écartée. Et donc, son travail va être, sa plus-value va être évidemment de réfléchir au-delà des simples connaissances et au-delà de l'intelligence artificielle, bien entendu, de l'acquisition des connaissances dans ce sens-là. Donc, une réflexion transversale, spécialisée, une réflexion d'excellence. Et évidemment que ça, c'est une plus-value incontestable. Et d'autre part, la deuxième plus-value, elle a déjà été, on y a fait référence tout à l'heure, à mon avis, c'est une plus-value relationnelle. L'avocat deviendra un accompagnant collaboratif du justiciable. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur la rationalité, le syllogisme, etc., il faudra qu'il travaille sur l'intelligence émotionnelle de son client, qu'il l'accompagne et qu'il accompagne dans la compréhension, dans l'apaisement, dans le recueil de la souffrance, puisque finalement une procédure c'est quand même aussi une souffrance pour le justiciable, donc un accompagnement collaboratif que les avocats de la famille ont déjà l'habitude de faire, parce que dans les contentieux de divorce, de filiation, de succession, etc., on sait bien que l'accompagnement du justiciable est aussi une plus-value à côté de l'accompagnement purement juridique. Donc il va y avoir une transformation tout de même de l'activité d'avocat. Et puis il y aura peut-être aussi une autre transformation, c'est que quand un justiciable averti des choses du droit obtiendra une réponse, est-ce qu'il ne se retournera pas vers un mode alternatif de résolution du différend ? Parce que finalement, son adversaire aura les mêmes réponses, avec les mêmes algorithmes, bien sûr. Et dans ces cas-là, puisque tous les deux ont la même réponse ou les mêmes réponses dans la solution du différend, pourquoi encore aller voir un avocat ? Pourquoi faire une procédure ? Pourquoi subir un aléa judiciaire, des frais, un stress, etc. ? Et pourquoi ne pas s'orienter vers un mode alternatif de résolution du litige ? La négociation, les pourparlers, le mode amiable, évidemment, tel qu'on l'entend. Ça, c'est une question. Et à ce moment-là, on ne se posera plus, évidemment, la question de savoir si on a un professionnel augmenté, puisqu'on n'aura plus besoin d'un professionnel. C'est du B2B, c'est de l'accord, puisqu'on a le même niveau de connaissance, tout devient possible. La deuxième question que l'on peut se poser, si on progresse encore et si on se projette, c'est est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas le juge, ou du moins la justice ou l'avocat de demain ? Et à ce moment-là, les professionnels du droit seront remplacés par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un fantasme. C'est déjà le cas. Quelles sont les avancées ? Qu'est-ce qui permet de dire que l'IA a une fonction résolutive des conflits ? Je ne dis pas que l'IA devient juge. L'IA, c'est de la justice désintermédiée. C'est de la justice sans autorité. Alors, quelques exemples. Déjà, on connaît des logiciels qui contribuent à la résolution amiable des litiges. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, je ne vais pas le faire. Mais il y a notamment une plateforme qui s'appelle Parle, plateforme d'assistance au règlement des litiges, en ligne, au Québec. Et le degré d'intervention de l'intelligence artificielle permet de voir qu'on peut se débarrasser des professionnels du droit et du juge, puisque c'est un autre mode de résolution des différends. Soit la plateforme met en lien avec un arbitre moléculaire, un humain. Soit la plateforme vous met en relation avec un médiateur, un humain. Oui, mais CyberSettle, qui est la dernière plateforme, elle, c'est de la négociation électronique. Il n'y a plus d'humain.
Ce sont deux algorithmes qui, ou un, enfin peu importe, qui entrent en relation et il y a des propositions, des contre-propositions, et l'algorithme, il fait finalement le mélange entre les deux. Moi, je propose de payer 1000, mon partenaire propose de payer 500, l'algorithme dit, bah, vous voyez bien, entre vous deux, ça fait 750, est-ce que vous êtes d'accord sur 750? Et donc, il y a comme ça des négociations qui se font, et ce sont des négociations purement électroniques. La décision entièrement dématérialisée, évidemment, qui repose sur un accord, ce n'est pas un jugement, hein. On propose telle solution, les parties sont d'accord et il n'y a pas de difficulté. Alors vous me direz, c'est loin, c'est aux États-Unis. D'abord, j'ajouterais premièrement qu'en général, ce qui vient des États-Unis finit toujours par intégrer le système judiciaire européen. On l'a vu avec le plaidé coupable, par exemple. Donc, pourquoi pas? Mais attention, il y a à l'heure actuelle une proposition qui a été faite par la Commission de Bruxelles et qui est soumise au Parlement français de modification de la directive 2013 sur les règlements en ligne, des litiges en ligne de consommation. Les consommateurs achètent en ligne, on achète en ligne, on ne sait même plus où, il n'y a plus de siège social du vendeur, et quand il y a des dysfonctionnements dans la vente, la marchandise n'arrive pas, elle n'est pas conforme au contrat, on ne sait même plus à qui s'adresser, etc. Donc le règlement, il est en ligne, dans des plateformes en ligne. Et donc pour améliorer le système, ça existe déjà, il y a une proposition de directive. Et dans cette proposition de directive, il est bien indiqué que la plateforme pourra proposer aux consommateurs et aux professionnels un règlement algorithmique. C'est-à-dire, il suffira que le professionnel soit et le consommateur soient dûment informés du fait que c'est un algorithme qui propose la solution. Il est vrai que quand vous avez un retard d'avion, et que vous écrivez sur cette plateforme en disant, voilà, j'ai pris un billet avec Air France, EasyJet, peu importe la compagnie, je ne devrais pas les citer, et que bon, j'ai eu un retard d'avion de 4 heures. Vous savez très bien que les conventions internationales prévoient quel est le montant. Bon, au lieu de s'acharner à essayer d'écrire à Air France, on ne sait pas où, eh bien, vous vous connectez sur la plateforme, et la plateforme, eh bien, elle met en lien, évidemment, il y a un lien avec la compagnie Air France, on ne sait pas exactement où ça se passe, ça peut être décentralisé, peu importe, et on dit, ben voilà, il faut verser à tel consommateur, il y a eu un retard, il peut le prouver, voilà, donc il faut lui verser 120 euros, et bien on versera 120 euros, ce sont des litiges dans lesquels évidemment on n'a pas besoin d'un juge, on n'a pas besoin d'un avocat, c'est barémisé et il n'y a pas de contestation. Donc c'est prévu dans la directive, donc vous voyez que même en Europe, dans le cadre des litiges en ligne, parce que les billets d'avion, on les achète en ligne maintenant, hein, il n'y a plus de guichet. Donc dans ces cas-là, eh bien, on pourra avoir un règlement purement algorithmique. C'est une possibilité. On n'est pas obligé de l'accepter, hein, c'est facultatif pour le consommateur, mais c'est une des possibilités. Je vous rappelle aussi que lorsque les relations des personnes humaines s'appuient sur la blockchain, vous connaissez tous la blockchain, vous connaissez les bitcoins, vous connaissez les smart contracts. Eh bien, dans le cadre des smart contrats, il existe ce qu'on appelle une justice décentralisée, c'est-à-dire une justice sans juge et sans avocat. Et c'est la plateforme, enfin le système, l'algorithme Kleros. Mais quand même, Kleros, c'est une justice décentralisée en ce sens qu'aucune autorité publique n'intervient, aucune autorité étatique n'intervient, mais il y a quand même des humains. Il y a des jurés, on les appelle des jurés. Ce sont des humains qui s'inscrivent sur la plateforme. Enfin, ils s'inscrivent, ils doivent payer des pinacions. Enfin, c'est compliqué. Ils doivent payer des pinacions pour pouvoir être désignés comme jurés. Il y en a plusieurs, en nombre impair. Ils se réunissent. Chacun donne la solution au litige en question sur la blockchain. Et ensuite, eh bien, on délibère. Et c'est la majorité qui décide, évidemment, de la solution. Donc là, c'est l'adhésion par la blockchain à une justice décentralisée. Alors, ce n'est pas tout à fait une justice algorithmique en ce sens que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui propose la solution, mais néanmoins, tout le système est un système complètement décentralisé, sans aucun professionnel du droit. J'insiste bien, hein, parce que les jurés ne sont pas des professionnels du droit, bien sûr. Et enfin, évidemment, avec les développements fulgurants de l'intelligence artificielle conversationnelle, vous savez qu'on peut se dispenser d'un avocat. C'est ce qu'on appelle les robots avocats. Alors, je trouve qu'on devrait supprimer le terme avocat quand même, mais les bots, le premier bot qui existe depuis longtemps, c'est le site Do Not Pay. Do Not Pay est un algorithme qui aide les personnes à contester les amendes de stationnement. Mais l'avantage, en février 2023, son fondateur a introduit
une intelligence artificielle fondée sur ChatGPT dans son Do Not Pay. Et figurez-vous que quand vous êtes devant le tribunal de la circulation à New York, vous êtes à l'audience, le juge vous pose des questions, vous voulez contester l'amende, le PV, eh bien, sur votre portable, vous interrogez Do Not Pay en disant, voilà, le juge me pose telle question, qu'est-ce que je dis? Et l'intelligence artificielle vous répond à la seconde ce qu'il faut dire au juge pour contester le procès verbal. Donc, on a encore progressé dans ce cadre-là. Et bien évidemment, les avocats ont essayé d'attaquer ce site Internet. Mais vous savez, aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile de défendre son monopole. Les monopoles professionnels, c'est vraiment typiquement européen, voire français. On est quand même les rares à avoir conservé des monopoles très stricts dans les professions réglementées. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Donc, ça s'est développé et je ne crois pas qu'il ait beaucoup de choses à dire. Alors, en France, on a insisté récemment, vous avez lu l'actualité, vous y avez fait référence, cet individu lyonnais qui a créé un bot avocat, e-avocat, voilà. Et évidemment, il a été attaqué par les barreaux devant le tribunal pour exercice illégal de la profession d'avocat. Et il a même ajouté, ça ne manque pas de paradoxe, qu'il se ferait défendre par son intelligence artificielle. C'est bien, bon courage. Et donc, il a fermé son site, évidemment, et maintenant, il a dit qu'il allait ouvrir un site Doctolib avocat, vous voyez. Donc, sur son site, on pourra prendre un rendez-vous avec des avocats. Donc, il a quand même considéré qu'il ne fallait peut-être pas exacerber à ce point-là la profession d'avocat et surtout porter atteinte au monopole, quand même, de cette profession. Mais vous voyez que c'est possible, ce n'est pas un fantasme, ça existe déjà. À voir si ça peut se généraliser, dans quel domaine et sous quelles conditions. Alors, quelles sont les limites? Quelles sont les limites? Bien, les limites, on les connaît, sont les limites de l'intelligence artificielle. Premièrement, les données juridiques sont incomplètes. À l'heure actuelle, les bases de données, on n'a pas la totalité des décisions de jurisprudence puisque l'open data n'est pas efficace. Donc, de toute façon, votre algorithme n'aura pas la totalité des données juridiques actuellement. Donc, ça, c'est quand même une première limite. La deuxième limite, elle est technique, je n'insiste pas. Ce sont les hallucinations des algorithmes. On le sait, parfois, ils donnent des réponses fausses parce qu'ils prennent pour réalité des données qu'ils ont trouvées mais qui ne sont pas vérifiées, pas authentifiées. Donc, il faut se méfier des hallucinations, évidemment, et surtout, à l'heure actuelle, on considère que l'IA ne dispose pas d'une intelligence émotionnelle. L'IA n'éprouve pas d'émotion, et c'est ce que vous avez évoqué tous les deux. Une IA ne pense pas. Alors, j'ai trouvé une excellente revue philosophique dans laquelle les philosophes se posent la question, mais les informaticiens aussi. Est-ce qu'il est possible de penser, donc d'avoir une conscience, d'imaginer, d'éprouver des émotions en dehors d'un corps humain? Voilà la grande question qui se pose. Mais c'est une question à la fois physiologique, philosophique et en même temps technique. Parce que certains considèrent qu'on ne peut pas penser sans un corps. Et la pensée et la conscience proviennent du fait que l'être humain est mortel et que nous ne pensons qu'en raison du fait que nous savons que nous sommes mortels. Donc on a fait une expérience et on a introduit dans un algorithme l'idée selon laquelle on pouvait le déconnecter, lui couper l'électricité pour le faire mourir, pour voir s'il avait l'aptitude d'éprouver des émotions comme un être humain face à son corps. Les conclusions n'ont pas été positives, ne me demandez pas pour quelle raison, parce que je ne suis pas informaticienne, mais on a estimé qu'on ne savait pas. Or, les progrès des neurosciences démontrent que nous ne savons pas exactement quels sont les facteurs qui amènent un cerveau à prendre des décisions. On ne sait pas comment fonctionne l'intelligence émotionnelle de l'être humain, qui le distingue évidemment de l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire qu'en l'état actuel, on aura toujours besoin d'un juge humain, parce que le juge humain va imaginer des solutions, les adapter, alors que l'intelligence artificielle, mon collègue disait tout à l'heure, elle est bête. C'est vrai, les algorithmes sont bêtes en ce sens qu'ils ne pensent pas, ils n'imaginent pas, ils n'anticipent pas des solutions et leurs conséquences. Voilà, c'est la différence. Mais pour combien de temps? Moi, j'ai lu dans cet ouvrage un informaticien qui disait que la super-intelligence est probable, c'est-à-dire que l'on serait amené à
copier le fonctionnement de l'intelligence émotionnelle. Mais le problème, c'est que comme actuellement, en neurosciences, on ne sait pas comment ça fonctionne, en conséquence, on n'est pas prêt, évidemment, de copier ce qu'on ignore. Mais peut-être qu'un jour, on saura comment ça fonctionne. Alors, sur l'évolution du droit, maintenant, évidemment, moi, je vois quand même quelques anticipations qu'il faudrait proclamer, que les juristes devraient proclamer. La première, c'est qu'il faudrait inventer un droit de l'homme. Ça fait un moment que je l'écris et que je le dis, mais maintenant je l'ai trouvé dans la proposition de directive, avec une certaine joie, la proposition de directive de l'Union européenne qui prévoit un règlement algorithmique des décisions de la résolution des conflits, c'est le droit à un recours contre les décisions algorithmiques devant un juge humain. Devant un juge humain, il faut que ce soit écrit dans une convention internationale. Eh bien, ce sera écrit dans la directive. Voilà, c'est écrit. Les États doivent faire en sorte que... Alors, je vais retrouver le texte, j'ai mis un petit post-it, j'ai corné la page. Il faut que les États prévoient que les personnes pourront, évidemment, contester la... Voilà. Accorder aux parties et aux litiges le droit de demander à l'issue de la procédure de règlement en ligne des litiges soit réexaminée par une personne physique lorsque la procédure a été menée par des moyens automatisés. Donc, vous voyez, c'est pour demain, ça. C'est dans la directive qui est soumise au Parlement et qui va être proclamée. Donc ça devrait être un droit fondamental proclamé par des conventions internationales, par les constitutions, bref, quelque chose qu'il faut évidemment concrétiser. Hein. Il ne suffit pas que ce soit une directive de l'Union européenne, c'est pas suffisant pour les litiges en droit de la consommation. Ensuite, deuxièmement, il faudra évidemment adapter notre droit, créer de nouvelles matières, en tout cas peut-être un droit, j'allais dire, neuroéthique, puisqu'on sait que l'algorithme peut manipuler le comportement des êtres humains. Alors, il y en a qui l'utilisent, sont les fabricants, les revendeurs, etc., qui sont en train de développer des algorithmes. On le voit bien, les publicités ciblées, etc. On peut manipuler l'inconscient de l'individu. C'est de l'infraconscient. Donc, il faudra créer des règles de droit qui permettraient, par exemple, d'obtenir la nullité des contrats ou la nullité des accords lorsqu'on a été manipulé par une intelligence artificielle. Pour l'instant, le DOL ne peut émaner que des contractants. On ne peut pas faire annuler un contrat lorsque le DOL émane d'un tiers, mais lorsque le DOL émane de cet intermédiaire qui est l'algorithme qui nous a trompés, eh bien dans ces cas-là, on devrait inventer une nouvelle cause d'annulation du contrat. Il faudra bien sûr poser des garanties de transparence, il faudra offrir les possibilités de choisir entre la résolution par algorithme ou la résolution traditionnelle, évidemment, de la même manière que dans le numérique, il faut encore prévoir le papier paléolithique pour ceux qui n'ont pas accès au numérique. Il faudra aussi permettre aux citoyens, s'il a envie d'être jugé par un juge humain, s'il refuse le traitement algorithmique. Je ne sais pas si ça tiendra longtemps, mais en tout cas, il faudra évidemment aménager les règles de droit parce qu'elles sont inadaptées pour protéger la personne humaine face à l'algorithme qui devient vampirique, évidemment, hein, dans le domaine du droit et de la justice. Voilà à peu près les réflexions qu'on peut avoir dans cette révolution, dans ce tsunami de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Madame la Professeure, pour cette présentation très riche et très large de la question de l'incidence de l'intelligence artificielle sur le métier de juriste de demain et surtout d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, je crois que Madame Boyer-Bévière en avait une. Non. Alors passe la parole à Madame Boyer-Bévière. C'est plus une réflexion en fait par rapport à ce cycle de conférences qu'on vient de lancer. Je remercie tout d'abord les trois intervenants. C'était absolument passionnant, un vrai défi en l'espace de 2 heures. On a traversé l'histoire en plus dans des lieux aussi symboliques qu'ici et aussi avec la technique, parce que tout ce qui est dit aujourd'hui, eh bien, ça va être exploité par l'intelligence artificielle et on va pouvoir peut-être tirer parti de ce qui sera fait parce que c'est déjà maintenant parti dans le virtuel. Voilà, donc en fait, lors de ces discussions, on a vu 3 axes importants. On a vu l'axe du droit.
Le droit, on l'a vu de par l'histoire, mais on a terminé par le droit. Le droit, il est fait pour l'homme, l'organisation des relations des humains. Et toute la question, c'est vers quel droit on va. Il faut absolument qu'on reste vers les droits de l'homme, des droits humains. Mais ne risque-t-il pas y avoir des transgressions? Parce que qui va décider? Lorsque il y a des paramétrages, par exemple, ce ne sont pas les juristes qui vont décider les paramétrages pour pouvoir créer ces espèces de systèmes d'intelligence artificielle qui vont conseiller les juristes. Ce sont des informaticiens. Donc là, vous voyez, la question du droit, c'est à voir d'une manière beaucoup, beaucoup plus large que la seule règle juridique. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Un autre élément, c'est le contexte général du droit. Donc on l'a vu hein, au travers de l'histoire, on l'a vu à travers de la justice, où progressivement, chaque parcelle de l'activité du juriste est emprise par le numérique. Et là aussi, il va falloir se positionner par rapport à réfléchir réellement par rapport à ce contexte général. Vous voyez, associer le droit et le contexte général où on va rendre la justice, où on va rendre le droit, appliquer le droit. Se pose aussi la question du positionnement du juriste. Le juriste, il peut très vite s'emballer, comme tout à l'heure, la discussion, c'est extraordinaire. Hein, le numérique peut nous apporter beaucoup de choses, des solutions immédiates, instantanées, et on risque d'être des juristes consommateurs. On y est déjà dans ce système, ça a été évoqué. Et si on devient des juristes consommateurs, en aucun cas on sera dans du droit humain. Voilà. Donc il est absolument nécessaire que les juristes, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient avocats, qu'ils soient professeurs de droit, etc., se positionnent tous en se disant « mais pourquoi ce juriste ?» Ma vocation de juriste, c'est d'appliquer le droit au service de l'humain. Voilà. Et donc, contribuer toujours dans cette logique. Et seule la réflexion critique, l'analyse seront là pour pouvoir ne pas nous laisser complètement dépasser par cette espèce de paradigme du numérique. Donc c'est vraiment très très important de prêter garde à ça. Et pour ce faire, le juriste, il doit absolument avoir un double défi. Il doit avoir le défi du droit humain, qui doit toujours le pénétrer, mais il doit aussi avoir le défi de la technique. Parce que s'il met de côté la technique et qu'il ne la connaît pas, eh bien, il va se laisser déposséder par d'autres forces. Et là, ça sera très, très dangereux pour l'application du droit. Voilà, donc vous voyez une intelligence humaine de tous les intervenants d'aujourd'hui demeure extrêmement importante au service de l'humain pour aujourd'hui et pour les générations futures. Merci Bénédicte. Est-ce que l'un d'entre vous veut rebondir? Non, mais écoutez, merci pour ces propos conclusifs de la séance d'aujourd'hui. Eh bien, à tous, je souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous au mois de juin pour la seconde conférence qui sera consacrée au métier de la recherche et de l'enseignement et bien sûr à l'incidence des progrès récents du numérique sur ces professions. Au revoir et bonne soirée.